En septembre 1914, les navires des messageries maritimes sont réquisitionnés et militarisés par la marine de guerre. La ligne Marseille-Sydney-Nouméa, qui assurait 12 rotations par an, est interrompue. Mais les liaisons Nouvelle-Calédonie-Nouvelles-Hébrides-Australie sont maintenues. Depuis l'Australie, les navires anglais et australiens assurent la communication avec la métropole. Enfin, le 23 avril 1915 a lieu le premier départ des quatre transports des troupes calédoniennes à bord du Sontay. L'événement est de taille. Les 700 soldats, dont un médecin, quatre officiers, 541 caporaux, calédoniens et néo-hébridés, tous d'origine européenne, sont fêtés. Toute la colonie accompagne ses enfants. Le voyage est long jusqu'à Marseille. Il faut compter 2 mois de traversée. Camille Vautrin écrit « Le bateau avance aussi vite qu'un crabe. Nous ne sommes pas bien. La nourriture n'est pas bonne. La musique, on ne la voit jamais. Il n'y a ni lecture, ni jeu. » En mer, les hommes essaient comme ils peuvent de passer le temps. Seule consolation au voyage, les escales de Sydney, Fremantle, Colombo et Port Saïd qui apportent leur lot de distractions et de découvertes. À l'arrivée le 26 juin à Marseille, le soulagement est grand. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Ils doivent rejoindre le camp de la Valbonne à Saint-Maurice-de-Gourdan, dans l'Ain, pour suivre un entraînement durant 7 mois, à l'issue duquel ils seront affectés dans différents régiments d'infanterie coloniale. Leur arrivée est accueillie par une presse plus que jamais cocardière, qui traduit l'effort de la colonie en ces mots. Un détachement de 747 jeunes soldats venant de la Nouvelle-Calédonie est arrivé avant-hier à Lyon. C'est avec joie que toute la jeunesse française néo-calédonienne a répondu à l'appel de la patrie. Notre population fera bon accueil à cette vaillante jeunesse venue des antipodes à l'appel de la mère patrie. Au camp, l'accueil n'est pas forcément cordial. Les Calédoniens en métropole, appelés les Niaoulis, souffrent d'un certain mépris de la hiérarchie. Ils ne sont pas tout à fait français, victimes du cliché colonial. Le 12 octobre 1915, le soldat Paul Esther écrit « Notre général est parti. Nous sommes tous enchantés de cette mutation. Ce général n'était pas chic pour nous et faisait constamment la chasse aux sentinelles et aux cheveux, son passe-temps favori. Le nouveau général s'est entretenu avec les Niaoulis. Il a produit une très bonne impression en s'occupant de la nourriture et du campement. » Affecté plus tard au bataillon créole sur le front d'Orient, Paul Esther témoigne du peu de considération. Nous sommes toujours sur le qui-vive, à la merci des ordres. Le bataillon créole est un bataillon, je dirais, de malheur. Partout où nous passons, personne ne veut nous conserver. Alors nous voyageons d'un pays à l'autre. Il poursuit. Cela est assez intéressant, nous voyons des choses inconnues. À la découverte des paysages succédera la rigueur des conditions de vie, les maladies, la violence des combats, et pour certains, le repos, à jamais.